fait un temps affreux. Dehors, il pleut, il fait 13 degrés. Vous, en un claquement de doigts ou en une minute de vidéo, je vais arriver à Bali, il va faire 30 degrés. Mais moi, dites-vous bien que là, j'ai 6 heures d'avion pour arriver à Dubaï, plus 4 heures de décalage. Donc, je pars à 15 heures, j'arrive à minuit à Dubaï. Plus, je dois attendre 3 heures de correspondance. Et après, j'ai 9 heures de vol, plus 4 heures de décalage. Donc, j'arrive à 16h30 demain à Bali. Autant me dire que là, actuellement, il est midi en... Non, là, c'est. Ouais, ça, c'est midi en France. Et du coup, avec le décalage, il sera midi quand j'arrive à Bali demain. Donc, je suis bien 24 heures. Et moi, je vous emmène directement avec moi. Je viens d'arriver à l'aéroport de Bali d'été, comment c'est trop stylé. Le ciel il est tout propre, genre je veux voir à quoi ressemblent les toilettes. Je veux voir à quoi tout ressemble ici. Ouais, c'est toilette classique. On va tester un truc que j'ai trop envie de tester, c'est le McDo. Il y a quoi? Est-ce que je peux mettre en français déjà? Déjà, est-ce qu'ils ont d'autres desserts? Oreo, KitKat, c'est classique hein, sauf ça. Ça a l'air dégueu par contre. Burger, McChicken, Spicy McChicken, Chicken Big Mac, Big Mac au poulet énorme, Big Mac classique, double cheese. Par contre, jamais vu un McDo aussi propre. Hein. Vas-y, je prends un double cheese. Je peux rajouter des trucs, ok. Bah, t'y arrives. Hein. Oh, on va aller sur le McDo. Petit coca, mec simple. Grave drôle, c'est écrit tout en arabe, je comprends rien du coup. Le burger est trop clean. Vas-y, en dégustation. Ah, la frappe, j'avais trop faim. Pour la dalle. Non, rien, vraiment propre, hein, par contre. J'espère que je fais de l'ASMR, je sais pas, vous entendez mes bruits de bouche. Je suis refait gros McDo avant de partir. Je suis dès que par contre, j'aurais pas pu voir le bourse téléphone, j'ai pas le temps de partir de l'aéroport. Je sors du McDo. Première chose que je vais faire, c'est ce que je peux acheter le Burj Khalifa en Lego. La merde, j'ai trop envie de l'acheter. Tous les vaisseaux Star Wars, mais après, il n'y avait pas le Burj Khalifa. Je l'ai goûté. Comme Thanos, comme l'infini. Ça n'a jamais été dans ma valise, mais. Il fait une tronche Spider-Man. Ninjago, ouais. D'ailleurs, en fait, je vais rester là, frère. Je vais pas à Bali, je reste à Dubaï, frère. J'ai fait des PC de fou. 7$, 15 minutes. Je vous jure, si j'avais plus de temps, j'aurais fait des 90 ici. Enfin, j'ai peut-être le temps. En vrai, il y a un monde, je pleure si je peux faire des 90 et faire une game en run-fed. Mais non, mais je pourrais pas le record. Ça sert à rien. Ouais, il était la taille du PC, frère. Ok, c'est un, je l'ai fait. Je l'ai fait. Il est scotché le siège. J'étais la bête que j'ai. Le pire, c'est que je vais pas record. J'ai pas de caméra, mais j'ai ma caméra dans mon sac, mais je crois que si je le sors, je vais me faire taper sur les doigts. Il y a un moment que je sors la caméra, je pense. Je viens de quitter le PC Bang, enfin, là où j'ai joué à Fortnite, quoi. C'est fou de se dire, j'ai joué à cet endroit-là. Faut vite que j'aille acheter mon coussin et que je retrouve la porte, genre la bonne porte. Et j'ai trouvé pile ce qu'il me fallait. Revival, Pilo, Luxury. J'espère que je vais bien dormir avec ça. J'ai 9 heures de vol. Je jure, il me faut ça. Ça fait 55€. 55€ pour avoir ça. La vie de même âge, je vais dormir sans ça, je pense. Hein. Luxury Travel Experience to the next level. Et je m'en fous que ce soit mieux. Je veux juste dormir, moi. Trouve-moi un truc pour dormir. Je jure, je l'achète direct. Ils sont tous au même prix. 57, ouais, c'est le même prix. Après, ça a l'air grave doux, mais non, vas-y, frère. 60 balles. Ah, là, y en a aussi. Je prends grave mon temps comme si j'avais le temps pour prendre mon vol. 57. Ils sont grave chers aussi. 90. Je suis le plus gros trou de balle que la Terre ait porté. En fait, si j'ai regardé en dollars canadiens, forcément c'était super cher, mais 100 dollars canadiens, c'est genre 20 balles. 20 balles, je le paye. 20 balles, je l'achète. J'ai besoin de dormir. Let's go. C'est bon, je l'ai acheté. C'était bien 20 balles. J'ai pas trop compris, par contre, il m'a dit. Customers must ensure. Bon, maintenant, faut que je trouve mon vol.
viens d'arriver à Bali là. Mais déjà il se passait trop de trucs zinzin en trop peu de temps. J'ai tombé mon AirPod, je suis le dernier à sortir, ça a pris un ingénieur pour qu'il démonte le siège. J'étais en larmes, ça m'a tellement rire. Tellement humide ici, c'est un délire. J'ai l'impression d'être, vous savez, quand t'es à la plage et qu'il y a chargé de l'eau, bah c'est pareil. Il fait super chaud et super humide. Et j'ai enfin récupéré ma valise. C'est déjà incroyable. Là. Ok, c'est bon, j'ai réussi à acheter ma carte SIM. Ils sont trop forts, frère. Tu leur donnes ton téléphone. Oh, t'es là-bas, c'est trop stylé. C'est quoi cet aéroport de fou? Tu leur donnes ton téléphone, ils te font plein de manips de fou. Et c'est incroyable. Voilà, de petits fruits, mais ça, j'avoue, je m'en branle. Maintenant, faut juste que j'arrive à Grab en Uber. Enfin, d'ailleurs, ça s'appelle Grab là-bas, pas Uber. Et après, l'aventure commence. J'ai déjà trop chaud là. Je vais sortir de cet aéroport. Ça fait 2 heures que je suis là. Après les 9 heures d'avion, j'ai envie de crever. Non, mais ça a l'air mieux ça. Moi, je me suis pas fait arnaquer sur ma carte SIM. S'il vous plaît. Encore une fois. Ouais, du coup, là, je suis dans le taxi. J'ai réussi à avoir le grab. Là, je vous jure, c'est fou comment ils conduisent. Il y a 2 voies, ils roulent à 3 voies. Ok. Ok, thank you, bye bye. Ah, c'est lunaire, frère. Je me suis trompé d'adresse. Le chef, il me dit, vas-y, je t'amène et tout. Je dis, mais par contre, j'ai pas de cash. Il me fait, comment ça, t'as pas de cash? Bah, ciao, tu vois. Je sais pas où je suis, c'est lui. Ouais. Oh, le chef. Comment il va? Tout bronzé et tout. Bienvenue chez toi. La crypto, ça a payé. Ouais, là. Là, ce que j'ai pu acquérir en seulement quelques mois. Non, tu vis, hein, tu vis. Tout ça, c'est à toi en plus. Petite piscine. Tu sais que attends, l'eau, elle est grave chaude, sa mère en plus. La petite bête, on va se laisser le cul chez toi. Et voilà. Demain. Putain, mais c'est clean, hein. Non, soin, hein. Vas-y, fin de la première soirée, petit resto. Régalade. À la cool. Par contre, tout, parce que le programme de demain, qui est exceptionnel, c'est ça va aller surfer en légende. Et si j'arrive à me lever, j'avoue, je suis chaud. Hein. Après, le problème, c'est que je pourrais pas trop filmer, mais. Vas-y, on va bien dormir, là. Hop, 6h du matin, gros réveil. On va bien dormir encore un peu, mais si on va aller faire du surf. Après, il y a pire comme réveil que de se réveiller, là. Regardez un truc que j'ai pas vu hier. Bon, déjà, de plein jour, le truc, il est beaucoup trop stylé. Ah, mais oui, c'est ça, ouais. Ah oui, mais tu sais, ça, je l'ai pas vu hier. Ah oui, là, l'eau, parce qu'il faut boire l'eau. Ah, il y a un riz, il y a un cuiseur de riz. Il y en a plein ici. Ah ouais, frère, mais l'eau, elle est à 30, genre. Ah, je sais pas, c'est un délire. Cup of respect. Ouais. Putain, mais dans le respect. Hein. C'est bon, non. Je leur vole peut-être du café, mais dans le respect. Ah. Je crois que ça fait des années qu'il est là. Mais attends, mais en vrai, ça périme pas le café, frère. Ah, il est. Mais non, mais après, c'est peut-être pour l'humidité, non, tu le colles. Il y a moyen, il y a plus. Il n'y a pas de date dessus, c'est du tout inquiétant. Planning de la journée, c'est pas mal. Déjà, là, on va surfer. Faut qu'on trouve un maillot de bain aujourd'hui parce que je suis parti à Bali. On a 30 minutes pour trouver un maillot avant de commencer à surfer. Il va surfer en caleçon. Il y a un monde, il surfe en caleçon. 30 minutes pour. Ouais, bah ça. Sachant que quand même, je suis venu à Bali. Le seul truc que j'oublie, c'est un maillot de bain. C'est trop grave. Ah, mais attends, ça fout de l'eau chaude direct. Ah ouais, pas mal. Normalement, tu vois, normalement dans les hôtels où il y a ça, bah là il y a l'eau chaude qui. Là, ça devient emmerdant. Bah là, on est dans la merde. Guetté, ça c'est là où on est du coup. C'est le paradisiaque, on dirait un hôtel 5 étoiles et tout. On dirait pas, c'est Guetté la devanture. Je vais essayer de vous filmer un peu sur le trajet, vous allez voir. Ok, c'est bon, on a pris une petite échoppe, j'ai acheté mon maillot de bain. Avec Guette en plus, il faisait du Nike et tout, genre. Cher une boutique c'est de fou. Les Nike, ça. Bah attends, mais tu sais que j'ai même pas tilté, je suis un connard, je me disais, oui, il vend du Nike, mais en fait, j'ai pas tilté, c'était du gros faux, frère. En fait, faut être obligé de négocier, genre le mec, il disait 300 000, bah toi, Léo, il est arrivé. En 2 secondes, c'est arrangé sur 175 000. Mais c'est 10 balles quoi. Il t'a dit 300 000, t'as dit 150, il a dit non, t'as dit 150, il a dit non, t'as dit 170, il a dit bon ok. Non en plus, au vu de ma mère, ça va, il est soin. Hein. Ah, c'est pas écrit Nike sur l'étiquette. Il a dit d'Indonésie. Mais t'as que là, la chatte de surfer la wave là. Enfin, la fois que je vois la plage. Ça, c'est qui l'océan? C'est l'océan Pacifique. Refais, je t'ai dit, je savais pas. Fais genre, c'est l'océan Pacifique. Ça, c'est qui l'océan? C'est en Pacifique, bon non? Pourquoi tu dis non? T'es pas sûr de toi. Ah bah, coffee croissant. Les Oreos, c'est fou comme dans tous les pays. Dans tous les pays, t'as les Oreos. C'est un délire, les Oreos commencent de partout. Putain, mais on est dans Fast and Furious 7 là que. Ah, c'est pas là? Ah, ok. Bye bye. Thank you, bye. Tu vas voir la jeune à côté. Attendez, on voit les planches qu'on va voir. Moi, je vais voir la bleue en mousse là, au milieu, là où il y a les gars. Ouais, et toi, le jaune? À gauche. Ouais, moi, je suis à niveau débutant, t'es intermédiaire. En vrai, ouais, même la jaune en vrai, bien lourde, longue, c'est dur à manier. Hein. Parce qu'en fait, en mousse, ça ne doit pas trop bouger. Toi, elle doit bouger de fou. Déjà, j'ai vu, ils mettaient pas mal de croissants et tout. Ils sont meilleurs que les croissants français, là. Les croissants de PRH. C'est le plus où rester toute la nuit, là. C'est vrai que c'est fait un peu croissant. Putain, il est réchauffé, le truc. Thank
5 euros. C'est le moment de tester le croissant. Attends, tu peux me filmer? Déjà, oui, ils le font bien réchauffer. Oh. Test. Parce que là, j'ai mangé des croissants français il y a pas longtemps. Là, je cadrais comme une bite. Alors? En vrai, ils sont pas mauvais. En vrai, ça va, ils sont pas mauvais, mais c'est pas des croissants français. La texture un petit peu là. C'est pas des croissants français, quoi. Alors, moi, je suis pas trop satisfait, moi. Ah, t'as fait ça, je suis moins sûr, ça. Mais après, ils font du professionnel du café, va vous dire. Ils chauffent sa mère. Ah, si, les soins, en vrai. Non, bien. Bien joué, les balinais, vous êtes chauds. Chaud café. Petit déj, après, ça va se régaler. Un petit peu de force. Mon ventre, il est bien noir, le café, je sais, je vais être. C'est quoi ça? Fini le café, ça c'est bien régalouge là. Pour la vie d'artiste, là tu te balades dans ce coup, ça se pose ici. C'est qu'on a vraiment une vie de millionnaire en fait ici. Ouais, il y a pas mal de monde quand même qui se. Ça ressemble pas mal à l'océan Atlantique en fait, quoi, la plage et tout. Guettez ce que je vais faire là. Peut-être moi, la personne plus là. Ouais. Ah ouais, non, incroyable. Hein. C'est que moi je colle toujours l'humidité. Il fait chaud et il fait tellement humide en même temps. Bon, là, on est prêt là. Vraie tenue de surfeur prêt. Genre, je pense que j'ai gagné 10 points de skill avec ce t-shirt. Vas-y, ferme la porte du skin. Ouais, pas mal, t'as vu le nouveau skin. Je viens de sortir, frère. Je suis trop mort, sa mère, mes bras ils tremblent. Peut-être j'ai la tête qui tourne, on sait pas. Quittez de l'eau. Si l'eau c'est. Frère, j'ai jamais autant tremblé. Ouais, tu fais plus de sport qu'on peut. Il a fait 2 heures de sport. Je fais 0 heures de sport. Après, j'ai dormi 7 heures en 2 jours. On va acheter les photos. Quelle personne leur biais. Ça c'est. Ouais, un. Merde. Je vais me péter la gueule. Ça c'est 1,30€ quoi. Ça c'est 7000. 7000, c'est 1€. T'es un fou là, c'est 100 000. Ah, c'est 100 000 et 8€. C'est vrai que c'est fou comment le cours avec un prof particulier, ça coûte 20 balles, mais vraiment, les photos, ça coûte 10 balles. En Australie, une heure, alors que t'es en groupe de genre 8-10, c'est 75$, un truc comme ça. Ah ouais? L'heure, pas les prix. 75$, si vous vous rendez compte, la diff de prix entre l'Australie et la Bali. Genre, Australie, c'est plus cher qu'en France, Bali, c'est 10 fois moins cher qu'en France. 2 heures de quoi? Et non, mais en fait, surtout, en plus, c'est d'avoir un prof particulier. Ouais, genre, t'as un bug et son seul but, c'est de t'occuper de toi et que tu deviennes meilleur. Genre. Surtout que même Australie, d'ailleurs, si t'es 7, ouais, tu fais la queue pour repasser et tout, reprendre une vague. Le mec, il t'atteint, il te tient, il dit non, pas celle-là, la prochaine, il te repousse. On se parlait, on comprenait pas, on se regardait, on fait ok, ok. Voilà, ça se régalait, frère. C'est bien pété le bide au brunch. Frère, je suis trop con, j'ai oublié mon maillot de bain là, je suis obligé de retourner à la plage. Bon, là je récupère mon maillot de bain et après on va aller à comment ça s'appelle? Pool House, je crois, il m'a dit. Je suis en gros un espèce de club où t'es posé et t'as une piscine et tout. Alors là on voit moins, j'ai déjà des lunettes de soleil. Mais il y a un soleil maintenant. C'est pas des lol comment il fait chaud. Pas mal de mecs qui surfent encore. J'ai envie d'y retourner, mais là j'ai plus de bras. Je vous jure, ça nique tellement les bras, c'est une folie. Je suis vraiment dessous, encore mon maillot de bain. J'y retourne comme si c'était logique qu'il l'est, mais. Là j'ai oublié mon. Il a pas bougé. Frère, il était là où je l'ai laissé. J'ai dit ouais, j'ai oublié mon maillot. J'ai dit ouais, bah va voir derrière. Tu es en mode bah démerde-toi. Vraiment trop des rois. Genre, quel pays de fou, frère. Ils sont là, ils conduisent comme des pilotes sur la route. Ils kiffent la vie. Il fait beau, il fait chaud. Je crois que je vais venir vivre ici en fait. Pourquoi pas tout plaquer et vivre ici? Vraiment, quel pays de fou. Alors, quand je vous disais que c'était des fous, dites bien ce que je vais filmer. Allez voir. Je vous sers, ça passe par là en scooter.